La démission du vice-premier ministre portugais, Miguel Relvache, était également ministre des Affaires parlementaires. Il était visé depuis un certain temps par une polémique concernant les conditions d'obtention de son diplôme universitaire. Cette démission risque d'affaiblir le gouvernement, un gouvernement de centre-droit qui a échappé ce mercredi à une motion de censure déposée par l'opposition socialiste. La gauche critique notamment les conditions du plan de sauvetage négocié par le gouvernement avec les bailleurs de fonds. Le Portugal a adopté une série de mesures de rigueur visant à redresser les finances publiques du pays en échange de cette aide internationale, ce qui provoque la colère d'une partie de l'opinion publique. Merci.